Ben, c'est ça. Ma chaîne, étant donné, ben, j'ai rebâti des pièces d'auto toute ma vie. J'ai pris du vieux, le remis en neuf. Tu sais, je peux vous parler d'alternateur, démarreur, batterie. Je peux vous parler de tout ça. Mais aussi, et bien patente. Comment préparer le réparable. Même, j'en regarde ça, là, parce que c'est vieux, là. On parle de 1920. Puis j'imagine, là, une histoire, là, qui s'est probablement produite là-dessus. Parce que probablement, c'était la préposée à la bibliothèque qui s'occupait d'aiguiser les crayons. Ça, c'est comme un aiguiseur qui s'est mis automatique, parce que vous voyez, vous pouvez y mettre une pression automatique sur le crayon. Puis là, ben, tu tournais, puis tu aiguises. Ben, pour vous dire, à réparer la réparable, parce que sûrement, à un moment donné, on voit que le tourniquet a été cassé à l'époque. Je ne sais pas si ça fait 75 ans de ça, ça a été réparé. Ben, probablement le directeur de l'école ou de la classe, elle dit, ah oh, ben je connais la petite shop du coin là, qui va pouvoir te le réparer, puis tu vas pouvoir continuer à aiguiser tes crayons. Ben c'est tes petites shops là. Ah, vous voyez, il y a même un huilier pour l'entretenir pour que ça t'offre 100 ans. Puis ça l'a 100 ans passé. Mais il est encore brisé, c'est certain, il a trop servi. Mais là, c'est brisé à l'intérieur, c'est plus complexe à réparer. Mais c'est quand même beau à regarder. Puis, ben, à réparer le réparable, ça a été plus fort que moi, mais dès que je prends quelque chose de réparable, ben, je le répare. Mon décor chez nous, c'est du vintage, parce que j'évite d'acheter des produits qui sont jetables. Puis de toute façon, ça ne m'attire pas le plastique trop. Puis je suis attiré par l'antiquité chez nous, mais c'est pas mal antique aujourd'hui, mais c'est pas dur. Si tu veux trouver une pièce de collection, trouve quelque chose qui n'est pas « made in China ». Ça va être déjà une pièce de collection parce que ça fait 20 ans là, que ça, on baigne dedans. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais, pourquoi pas apprendre pourquoi pas apprendre à se servir de ses mains, vu étant donné que il faut se l'admettre, on est dans un monde incertain, on vit dans un monde incertain. Et pourquoi pas en savoir un petit peu plus? Pourquoi pas conserver ce qu'on a déjà? Moi, je sais, ma chaîne est contradictoire à toute publicité qu'on voit, parce que dans la publicité, dans ce moment ici, c'est jeter, on ramasse votre vieux stock, puis allez, acheter du neuf. Oui! Façon de voir. Je sais pas la mienne. C'est certain que je n'attirerai pas beaucoup, beaucoup de monde. Ou peut-être le contraire. Mais mes intentions. Hey, j'ai trouvé quelque chose hier. Et 50 sous chaque. La Rot Ryson avec Donna Summer. Concorde. Donne-moi un peu de tendresse. Le King n'est plus avec Johnny Farago. Ginette Renault, la vie. Ce que j'ai de plus beau. J'en ai un papier là-bas. Curry Art. Too good to be enough.
Is it too late? Also, Lossy Baby, come back. Nicole Croisel, une femme avec toi. L'été. Ah, y'a celle-là, wow. Gino Vanelli, ouais, ça c'est. Mais celle-là. $0.50 j'ai payé hier. C'est juste sale. C'est ma vieille table tournante, je voulais faire tourner. Michel Levin. Faut que je fasse des recherches, voir c'est quand ça a été fait. Mais c'est bien écrit, hein? C'est un produit du Québec. Cool.